ensemble avec nos compatriotes, qu'est-ce qu'il préconisait faire, c'est-à-dire mettre tous les déplacés de guerre et la population de Rutshuru sur la route. Ils allaient se diriger vers Goma, envahir le gouvernorat pour émettre leur mémorandum au gouverneur de province. Le chef de l'État, en apprenant cela, je lui ai dit que je descendais là-bas. Il a dit, général, tu vas apporter toute ma compassion à notre population de Rutshuru. Il voulait manifester contre le laxisme ou la position défensive des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous leur disons tout de suite que la guerre n'est pas un jeu d'enfant. Et dans nos 15 pays, quand il s'agit de la guerre, le cas de notre pays aujourd'hui agressé, ce n'est pas de cette façon-là que nous devons agir. Agissant de cette façon, c'est-à-dire, nous faisons le jeu de l'ennemi, pourquoi pas le lit à l'ennemi. La marche est annulée, la marche ne peut pas avoir lieu. Nous sommes adressés à nos compatriotes et ils nous ont compris. Nous sommes venus pour ça. Vous savez, mettre toute une population sur la route de plus ou moins 75 km avec tous la population, les enfants, puis tout ce monde qui doivent. Comment ça va se passer? Les organisateurs avaient-ils prévu le dispositif de sécurité pour la population qui se déplace?